Le Cirque Posthume, spectacle de la compagnie Off Lombric Spaghetti, mis en scène par Christian Cerclet, se représente sur la place de l'Hôtel de Ville. L'appel en main, les deux fossoyeurs, Jack Spaghetti et Edmond Lombric, donnent une approche comique de la mort en musique et jeu de pelle. La compagnie Lombric Spaghetti, le spectacle s'appelle Cirque Posthume. Trois quarts d'heure de poésie terreuse, un peu de cirque et de musique avec pas mal d'instruments pelle en fait. C'est une recherche, un spectacle tourne autour d'une recherche autour de la pelle. Et ça a été mis en scène en 2012 dans une version, on va dire, plutôt familiale. C'était un peu trash au début. Nous, on avait envie de jouer partout dans la rue et de s'adresser à tous les pans du public. De jeune à vieux, quoi. De 7 à 77 ans. De 7 à 95 ans, même, comme je dirais. Tu vois, comme dirait Michel, ouais. Et puis, les enfants, ils ont une lecture de... Parce que c'est quand même un spectacle où on est fossoyeur, on charrie de la terre, pas mal. On fait du cirque avec de la terre et des pelles. Et du coup, il y a un imaginaire collectif, si tu veux, l'adulte, ça peut lui faire penser à des choses pendant que l'enfant se marre parce qu'il nous voit jouer avec de la terre, et à l'inverse, l'enfant des fois va pas comprendre des choses. Voilà. Donc c'est pas un spectacle enfant, mais c'est un spectacle familial en fait, où les jeunes sont conviés mais avec leurs adultes, quoi. On jouera pas ce spectacle-là dans une école, quoi. C'est pas... L'enfant peut amener son adulte. C'est ça en fait. On dit aux enfants d'emmener leurs parents, quoi. En fait, pourquoi on fait ça? Nous, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on fait ça. La compagnie est jeune, ça fait 3 ans, enfin, même pas, ça fait depuis 2011 qu'on a créé. Bref, mais on avait pas mal d'autres projets avant. Moi, j'étais déjà venu à Chalon avec d'autres projets aussi il y a longtemps. Et puis, c'est parce que pourquoi on fait ça aussi et qu'on s'y accroche, c'est parce qu'on aime ça déjà. Voilà, ça nous permet aussi d'aboutir des passions. Moi, je suis jongleur depuis 15 ans. Et voilà, j'avais besoin de changer d'instrument aussi, de faire autre chose. Et l'appel, ça a été des gros choix bien difficiles parce que c'est pas un instrument facile. Du coup, c'est très spécial comme spectacle. C'est pas, on va dire, des numéros... conventionnel, traditionnel de rue. Du coup, il y a toute une recherche autour de ça aussi pour changer un peu des codes et tout qui nous intéressait. Et voilà comment on voit ça. Puis sinon, bah, la culture, c'est grave dans la rue. C'est pour ça qu'on fait du spectacle de rue aussi, quoi. On est autonome, on a besoin de personne. Je viens de Nantes, Loire-Atlantique. Avec Lombric Spaghetti, on allait au Maroc. En fait, c'est un projet avec un collectif. Puis c'est jeune comme spectacle. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était la fin 2012, c'était mise en scène. Donc tu vois, on a fait quelques dates, mais voilà, cette année, on fait un peu tout aussi. On a fait la diffusion tout l'hiver, tu vois, du coup, on s'est retrouvé avec 10 plans cette année, tu vois. Donc il y a aussi la crise vis-à-vis de ça, il y a plein de choses. On s'est prend aussi un peu comme des manches. Mais là, on est venu à Chalon en version combat et version on va vendre notre spectacle, quoi. Donc on a une diffusion avec nous, Marie, super cocotte. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, soit il faut avoir un projet qui marche bien, soit tu fais pas que de la rue, tu fais de la déambre, de l'animation, de la salle, tout ça. Moi, je préfère vraiment toucher les gens, le badaud,
le côté surprise. Voilà. Ça change vraiment des choses stéréotypées, tu vois, type télé, type machin, où les gens se font surprendre. Et moi, ça, j'aime bien, en fait. Pas victime du monde, mais genre jeudi, il y avait des gens un quart d'heure avant. La deuxième, ils étaient une demi-heure avant. Et hier, là, ils étaient carrément trois quarts d'heure, une heure avant. Donc aujourd'hui... C'est pas fait taper, quoi. Voilà. Non, on a plutôt un... On a eu plutôt des bons retours du public et tout ça, on est bien contents.